Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous retrouvons sur un jeu un peu particulier étant donné qu'aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de World of Tanks. Pour fêter nos 15 ans spécial, étant donné que nous avons passé les barres des 50 000 vues sur YouTube. Je voulais d'abord vous remercier parce que c'est énorme, je vais pas vous mentir, avoir 50 000 personnes qui vous suivent, enfin, déjà plus de 50 000 vues sur toutes mes vidéos, c'est, je trouve vraiment beaucoup. Donc je voudrais vraiment déjà tous vous remercier. Merci infiniment à toutes et à tous. Ça fait chaud au cœur de voir que ça fait bientôt 3 ans que je commence ces vidéos et que ça fait toujours autant plaisir que les personnes regardent ces vidéos. J'espère qu'on continuera longtemps comme ça. Et j'espère que ça se passera bien ensemble. Hein. Vraiment, c'est vraiment sympathique. Alors 50 000 vues, je vais pas vous mentir, s'il y a quelques années on m'aurait dit tu vas voir ta chaîne va atteindre 50 000 vues, 160 abonnés à l'heure actuelle, j'ai envie de dire c'est incroyable, c'est impressionnant parce que autant faire des vidéos qui plaisent à des gens c'est déjà quelque chose, mais autant qu'un grand nombre de mes vidéos arrive à attirer un grand nombre de personnes, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment différent ça. Je vais pas mentir et ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours aussi fidèles. Que ce soit les premiers, que ce soit les nouveaux, vous avez le même engouement pour mes vidéos. Vous passez un bon moment, vous appréciez ce que je fais, ça fait toujours chaud au cœur de voir que son travail est récompensé et apprécié. Je suis pas le meilleur youtubeur au monde, même loin de là. Mais savoir que ces vidéos plaisent à un public en particulier, c'est pour ça que moi je continue à faire des vidéos, c'est pour ce public-là qui me suit. Et j'espère que nous continuerons encore un moment notre chemin ensemble. Hein. C'est vraiment ce que j'espère et ce que je serais vraiment honoré de pouvoir continuer avec vous pour encore un bon petit moment. Alors, 50 000 cas, il y a eu des changements entre temps, on a constaté cette année. Déjà Millennium. Non, je suis en partenariat avec Millennium. De ce fait-là, Millennium, je fais des choses pour eux, notamment des vidéos qui leur conviennent. Des tests, un peu de rédaction quand j'ai de temps en temps. Donc voilà, donc il y a des changements qui peuvent être opérés. Pour vous, vous verrez pas grand chose, à part l'introduction qui avait changé au moment où le partenariat a été décidé. À part ça, pour vous, c'est toujours pareil. Cette différence derrière, c'est que mes vidéos seront maintenant disponibles aussi sur le site de Millennium. Avec une certaine différence au niveau des publications, étant donné que le temps que Millennium récupère mes vidéos et les met en ligne, il peut avoir une différence avec mes vidéos à moi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre temps. Hein. Et je remercie Millennium, hein, en tout cas, de cet accord, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait un moment que je voulais travailler avec eux. Et je suis vraiment content de pouvoir faire ça avec eux. Je vais pas vous mentir, c'est... Donc en espérant que ça continue ensemble hein, et que par la suite, ben, que tout se passe par le mieux par la suite avec Millennium. Ouais. Parce que honnêtement, ça me ferait plaisir que mes vidéos et que je fasse plus de travail pour eux, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir. Après, nous avons aussi maintenant différentes séries, notamment on arrive à la fin d'une série, Compagnie of Heroes 2. Et j'ai dû faire un choix, Wargame Red Dragon est terminé, Company of Heroes 2 va bientôt se terminer, il y a un nouveau DLC qui va bientôt sortir, donc ça rajoutera du contenu pour encore un temps. Mais à un moment ou l'autre, cette série va se terminer aussi, Company of Heroes 2. Et donc voilà, il faut bien que je pense à faire une autre série, tout ça. La première c'est Mass Effect,
Une série que j'ai vu commencer il y a quand même un mois de ça. J'ai pris beaucoup de retard. Normalement, ça a dû commencer début août, ça a dû commencer début septembre. Alors, Mass Effect, j'ai constaté une chose. J'ai eu beaucoup de retours, quelques retours en tout cas dessus de votre part. Alors, c'est vraiment étrange. Parce que tous ceux qui m'ont envoyé des messages m'ont dit que c'était génial. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, ça a très peu de vues. Je me suis posé la question, j'ai cherché un peu, et j'ai compris que le problème, ça vient pas en fait du jeu en lui-même qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la longueur des vidéos. Je pense, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, il y a un problème avec la longueur des vidéos. Les vidéos sont globalement longues, en moyenne, c'est pas une demi-heure, mais plutôt 45 minutes sur Mass Effect. Il faut savoir que Mass Effect, c'est un jeu un peu particulier. À différents jeux de stratégie, c'est pas un jeu où je peux donner beaucoup d'explications, c'est un jeu en ambiance. Et pour profiter du jeu, faut laisser ambiance. Le jeu a une très grande durée de vie. Ça me prend, je pense, à peu près une trentaine d'heures pour le faire, le premier Mass Effect. Pareil pour les opus suivants. Je dirais globalement, ça devrait me prendre à peu près 80 heures pour faire totalement les trois Mass Effect. Ce qui représente beaucoup de temps. J'admets, c'est énorme, ça prend beaucoup de temps à faire tout ça, mais si je fais des vidéos de 30 minutes, on n'avance pas dans le jeu. Crusader Kings 2 m'avait déjà montré ça à l'époque. C'est le problème, c'est que si on fait des vidéos trop. Il faut pas faire des vidéos trop longues, étant donné que sinon vous perdez le fil. Le problème, c'est que si je fais des vidéos trop courtes, et 30 minutes c'est beaucoup trop court. Enfin, trop court. Tout dépend de ce qu'on a à faire. Parce que à certains moments, 30 minutes c'est la bonne durée. À d'autres moments, 30 minutes c'est trop court. Mais Crusader Kings 2, c'est l'exemple même du jeu où 30 minutes, on n'avance pas et j'ai pas envie de refaire une série qui dure aussi longtemps que. Enfin, il dure aussi longtemps. C'est pas le problème que la série risque de durer un moment. Le problème, c'est que Mass Effect a une histoire et j'ai vraiment envie de faire profiter du jeu. C'est pour moi, c'est aussi un remerciement envers FenZix. Un ancien réalisateur de vidéos. Et à l'époque, j'ai découvert quand il commençait Mass Effect, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Et il a arrêté de faire ses vidéos et il a arrêté au milieu du walkthrough notamment de Mass Effect. Je me suis dit qu'un jour, je filmerais ce jeu-là et pour deux raisons. Le premier, c'est que Mass Effect, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir le jeu, c'est un jeu à connaître. C'est un jeu vraiment magnifique, sublime, qu'il faut connaître. Un deuxième, c'est aussi un remerciement pour en faire cette personne-là, parce que c'est lui qui m'a donné tous les conseils pour me lancer, c'est lui qui m'a donné énormément de conseils pour comment réaliser une vidéo, la HD, qu'est-ce qui est conseillé, la qualité, tout ça. Et sans lui, j'aurais probablement fait mes vidéos sans lui, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et j'aurais eu beaucoup plus de mal. Donc c'est vraiment un remerciement personnel envers cette personne. Si jamais il regarde des vidéos, ben ça fait plaisir. J'espère qu'il apprécie ce que je lui dis. C'est pas le cas, va me dire tant pis. Hein. Mais vraiment, voilà, c'est un grand merci à lui. Mass Effect, j'ai envie de le faire parce que c'est un jeu sublime. C'est une histoire particulière, c'est un jeu à connaître. Autant les autres jeux de stratégie, il y a beaucoup d'action, autant Mass Effect, étant donné que ça se joue beaucoup sur une ambiance, sur quelque chose à découvrir, ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas du tout le même cycle. Donc ça plaira à certains, ça déplaira aux autres, mais je demande simplement à toutes les personnes d'au moins tenter de se mettre sur cette série. Je vous déconseille de regarder d'une seule traite les vidéos. Moi, un conseil que je vous donne, notamment sur Mass Effect, c'est vous regardez une vidéo. Mais pas une vidéo complètement, vous regardez une demi-vidéo. Moi, je sais. Les personnes croient que pour regarder une vidéo, il faut regarder d'intervalle. Moi, je vous conseille plutôt sur des vidéos longues, par exemple de 50 minutes, vous regardez au moins en deux fois, voire trois. Ça permet deux choses. La première, ça vous permet d'éviter que la vidéo soit trop longue. Et la deuxième, vous en profitez aussi. Moi, je peux pas me permettre parce que je couperais soit en plein milieu de dialogue, soit au milieu d'une action, et voilà. Donc, c'est pour ça que je m'en excuse encore.
Bon, je pense que vous comprenez mon besoin. J'espère en tout cas, bon, bien évidemment, cette série, j'espère qu'elle vous intéressera, que vous passerez un meilleur moment à la regarder, que c'est un peu le but. Et que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir ce jeu et d'y jouer, j'espère que vous en... que vous passerez un moment inoubliable sur ce jeu. Je le dis comme je pense. J'espère que ce jeu-là, vous l'apprécierez, parce que c'est vraiment un jeu énorme. Par rapport justement aux séries, bon, Company of Heroes 2, le prochain DLC devrait sortir courant octobre, si je me trompe pas. 18 missions, enfin 18 missions d'une campagne, exactement pour être précis, américaine, la bataille des Ardennes. Ce qui représente, allez, on va dire 2 mois. 2 mois de vidéo et après il faut que je pense à un autre jeu. Les jeux sont multiples. J'ai pensé à un grand nombre de jeux. J'ai pensé notamment à Command & Conquer 3, Legacy of Tiberium, à Fury of the Ken et Command & Conquer 4. J'ai pensé au jeu Supreme Commander, un magnifique jeu aussi, plutôt méconnu. Licence qui a malheureusement, bon, je vais être honnête, disparu. La licence n'a pas disparu dans le sens où la licence n'existe plus, elle existe encore. Simplement, mais il est très peu probable qu'il existe maintenant un Supreme Commander 3. Ça s'est arrêté au 2. Qui d'ailleurs m'a énormément déçu à l'époque. Bon. Un jeu magnifique que je vous filmerai peut-être, ou carrément Age of Empires peut-être. Donc voilà, encore beaucoup de jeux potentiels. Après peut-être une surprise sur le jeu que je vais filmer, ça c'est des idées qui me viennent là. J'ai pensé aussi à Crysis, Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3, Assassin's Creed j'ai pensé, mais ça sera une fois que Mass Effect sera terminé. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup d'idées pour vous. Ne vous inquiétez pas pour le contenu, il y aura pour tout le monde. Par contre, je me dois de vous préciser une chose, c'est que Mass Effect, je ferai complètement, c'est non discutable en fait. C'est non discutable pour une simple bonne raison, que Mass Effect, pour moi, c'est un jeu un peu autre. C'est un jeu qu'il faut connaître, comme j'ai déjà pu le dire. C'est un jeu qui me tient tellement à cœur que je vais le faire, mais je prends tellement plaisir à le faire que je ne peux pas m'empêcher de ne pas le filmer. Et il faut comprendre que pour moi, c'est un walkthrough très important. Enfin, un walkthrough. Un playthrough, techniquement, étant donné que ça peut pas être un walkthrough tellement il y a de possibilités au jeu. Et j'espère que, bon, soit ça vous a donné envie de regarder ce playthrough. Je parle pas beaucoup, donc ceux qui ne m'aiment pas m'entendre parler, bah, vous n'en aurez rien ou je parlerai pas beaucoup. Soit, ben, tant pis. Hein. Je vais revenir aussi sur un autre point. Beaucoup étaient au courant que j'avais un compte Dailymotion. J'avais mis en pause pour un moment. Là, j'essaie de rattraper le temps perdu. Donc, Wolfenstein Mass Effect sera en parallèle. Company of Heroes 2 arrivera plus tard parce que je dois mettre plein de vidéos avant pour y arriver. Donc, mais il y aura tout sur Dailymotion prochainement. Ça me demandait probablement plusieurs mois, mais il y aura tout le contenu disponible sur Dailymotion et vous pourrez en profiter au même titre que vous profitez d'une vidéo sur YouTube. Donc pour ceux qui préfèrent Dailymotion, dans quelques temps vous pourrez tout profiter et je vous tiendrai au courant par rapport à ça. À savoir aussi, c'est que maintenant mes vidéos sont monétisées. Monétisation au début, à la fin et une annonce en bas de vidéo toujours durant vidéo. Je vous demanderai bien de voir les laisser, de désactiver Adblock. Adblock, c'est quelque chose qui désactive les pubs et je vous demanderai bien de voir le désactiver le temps de quand vous regardez mes vidéos. Je me fais pas énormément d'argent, hein, je vais pas vous mentir, je me fais en moyenne 15€ par mois. J'ai activé ça début août, je me suis fait 15€ après le mois d'août. Un peu plus, mais bon. Et il faut savoir que l'argent que je gagne par ces vidéos, faut pas vous dire que c'est de l'argent pour moi. L'argent que j'aurai investi, ça sera pour faire d'autres contenus pour vous. Donc c'est pour ça que je vous conseille de laisser la pub de début, la pub de fin.
J'ai pas mis de pub au plein milieu, mais au moins de laisser la bandoulière en bas. Ça vous dérange, bon, vous enlevez-le, c'est pas grave. Mais s'il vous plaît, laissez-les. Ça me ferait chaud au cœur, étant donné que. Pour moi, je m'en fiche. Si vous voulez pas, tant pis. Mais simplement, il y aura moins de jeux récents pour vous. Par exemple, ce que j'ai prévu avec, c'est d'acheter le prochain DLC de Company of Heroes 2. Vous voyez? Sinon, j'aurais attendu 2-3 mois de plus. Bon, ouais, je vais vous prendre un exemple concret. De mémoire, moi, il sort en octobre, le jeu. Il sort mi-octobre. Je n'aurais pas acheté le truc en mi-octobre. J'aurais attendu au moins 2 mois. Pour l'acquérir, bah, notamment pour attendre des réductions, tout ça. Mais étant donné que voilà, c'est pas de l'argent qui sort de moi-même, ça me dérange pas. C'est pas de l'argent qui sort de moi-même. C'est de l'argent gagné grâce à vous. Et l'argent là, je compte à réinvestir pour vous dans mon contenu. Donc vous ne perdez rien. Vous êtes que gagné en fait. Vous laissez la pub. Bah, c'est bien. Vous faites gagner de l'argent. Mais en plus de ça, vous gagnez du contenu. C'est ça qu'il faut vous dire. Et peut-être qu'à un moment, je gagnerai peut-être 15 euros par semaine dans beaucoup de temps. Si jamais c'est le cas, de dire ce serait génial. Ça ferait un jeu neuf par mois. Donc je vous laisse imaginer ce qui est possible de faire avec l'argent qu'on peut gagner avec la publicité. C'est pour ça que je vous demande de la laisser. C'est surtout pour moi, ça me permet de vous proposer du contenu beaucoup plus récent et d'acheter surtout du matériel. Notamment acheter un ordinateur neuf, ça coûte cher. Pas gagné, hein. Ça coûte vraiment cher d'avoir un ordinateur, donc. Imagine, voilà, c'est un investissement, ça je le fais de bon cœur pour vous, parce que j'adore aussi tout ça, donc ça me dérange moins d'acheter un ordinateur. Par contre, je peux pas me permettre d'acheter tous les jeux. Et l'avantage de la publicité, c'est que par exemple des jeux que vous aurez peut-être pas présentés, beaucoup d'entre vous voudraient voir ce jeu-là, ben avec l'argent gagné grâce aux vidéos, ben je vais vous l'acheter et vous faire plaisir. Donc pour vous, vous êtes gagnant en fait, au final, ça vous coûte rien. Ça vous coûte simplement un peu de temps. Parce que faut dire, ça prend un peu de temps quand même de laisser les pubs. Et voilà, sinon ça vous offre quand même du contenu un peu plus régulier, un peu plus récent. J'ai envie de dire, c'est bénéfique pour vous. Après, si vous voulez pas, bah tant pis, enlevez mes pubs et voilà. Ça fera juste moins de contenu pour vous. C'est. Mais bon. C'est à vous de voir. Donc voilà, c'est. Je sais plus quoi, je sais plus ce que je peux dire, parce que à part vous remercier encore une fois d'être aussi nombreux à me regarder, c'est se répéter. Je vous ai à peu près dit ce qui est en cours, ce qui est prévu. Et je voudrais juste avant d'arrêter cette vidéo, bon, ça serait revenir sur un point. Mais je sais qu'il y a un immense problème avec les commentaires YouTube en ces derniers temps. Il y a un très très gros problème. Il y a aussi un très très gros autre problème. C'est que YouTube a obligé maintenant tout le monde à relier son compte Google Plus avec son compte YouTube. Ce qui fait que justement le problème provient de là. Justement, je vais en revenir un peu là-dessus. Tous ceux qui utilisent Internet Explorer ont énormément de problèmes. Et vous arriverez probablement pas à laisser de commentaires. Donc je vous conseille de télécharger Mozilla Firefox. Ou Chrome, là ça marchera et vous pourrez sans aucun problème laisser des commentaires sur ma chaîne. Sachez que j'ai toujours tous les commentaires. Je suis vraiment attaché, mais bon, je sais que beaucoup d'entre vous ont ce bug là. J'ai été emmerdé, je vais pas vous mentir, pendant plus de 2 mois j'étais incapable de répondre à un seul commentaire et ça m'a vraiment mis hors de moi. J'ai vraiment déclaré à YouTube que ça m'énervait et que ça continuait comme ça, que j'allais vraiment y quitter sans aucun souci. Commencer sur Dailymotion, et notamment c'est la grande raison pourquoi j'ai recommencé à être très actif sur Dailymotion. C'est notamment parce que là, c'est les changements opérés sur YouTube qui ont vraiment à m'énerver, tout simplement. Actuellement, c'est pas prévu que je quitte YouTube, mais si YouTube continue dans des politiques comme ça, je quitterai sans aucun souci. Je vous conseillerais de venir avec moi sur Dailymotion. Parce que ce qui était bien avec YouTube à l'époque, c'était qu'on pouvait se permettre de pas avoir un compte Google à côté. Ça dérangeait pas. Mais là, ce qui nous oblige, c'est d'avoir un compte YouTube et Google. On nous oblige à associer des comptes. Or justement, ce qui était bien, c'est que c'était dissocié. Ça évitait que
tout le monde puisse savoir notre page Google. J'ai toujours le même pseudo, quel que soit le site, donc. Vous m'auriez retrouvé. Ceux qui voulaient me retrouver, ils le retrouvaient, ça me dérangeait pas. Mais on nous laisse pas le choix. C'était un choix avant de, de relier les deux comptes. C'était un choix. Ceux qui voulaient le voulaient, ceux qui voulaient pas ne le faisaient pas. Et là aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc c'est. Je préfère le dire. Donc. Le seul conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez que ça remarche, c'est utiliser Mozilla Firefox et lier vos comptes YouTube et Google. À ce moment-là, ça devrait marcher. Je dis bien ça devrait. Parce qu'encore, je peux vous dire, à des jours, moi ça marche pas en utilisant cette technique-là. Hein. Mais globalement, j'ai déjà réussi à résoudre une bonne partie de l'équation. Ce qui fait, c'est déjà plus facile déjà pour moi que répondre à vos commentaires. Sachez également que vous pouvez toujours m'envoyer des messages personnels, j'y réponds, hein, ça soit faire un avis ou quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir. Des pouces verts sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Des pouces rouges sur les vidéos, sans justification, je ne peux pas m'améliorer, donc ces pouces rouges ne serviront à rien. C'est beaucoup de redites là, mais bon, je préfère le dire. Donc si vous voulez que je me modifie, que j'améliore quelque chose qui vous dérange sur mes vidéos, mettez un pouce. Mettez plutôt un commentaire, envoyez carrément moi un mail pour vous dire qu'est-ce qui va pas et je vais m'améliorer là-dessus. Mieux vaut prévenir et expliquer qu'est-ce qui se dérange plutôt que dire ah c'est pourri, je mets un pouce rouge et hop je me barre. Que pour moi, si c'est pas justifié, je prends pas en considération ce problème-là. C'est ça qu'il faut que vous dites derrière, que vous disiez derrière, que vous dites. Ah, je sais plus. Vous devez raisonner comme ça derrière. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si c'est pas ce qu'il doit faire. Voilà, moi je suis prêt à changer, à faire des choses bien pour vous, mais faut me laisser la possibilité de m'améliorer. Si on me dit pas ce qui va pas, je peux pas m'améliorer. Ouais, je préfère le dire tout de suite parce que ça me pose légèrement problème. Quand je dis légèrement problème, en réalité ça me pose beaucoup de problèmes, notamment quand j'ai des pouces rouges, parce que parfois je cherche, je regarde 2-3 fois la vidéo, j'essaie de regarder qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est un problème de son, est-ce que c'est un problème de réglage. Voilà. Par exemple, j'ai des difficultés. Bon. Parfois j'ai des difficultés à m'exprimer, j'ai du mal à articuler parfois. Bon, je mets mort, bon, on me l'a dit, j'essaie maintenant de faire plus attention. Et voilà, ça prendra du temps. Ça par contre, voilà, c'est. C'est un défaut qui prendra du temps à être corrigé, mais je le modifierai, je le corrigerai pour vous. Et si on ne m'avait pas dit, j'ai remercié Millennium quand notre partenariat a été créé, qu'on a fait le partenariat et qu'ils m'ont dit, je remercie encore une fois, voilà, c'est quelque chose que je remercie, c'est que ils m'ont dit ce qui dérangeait, ce qui convenait pas à ma vidéo. Et de cela, je peux m'améliorer in fine. Par rapport à ça, je peux m'améliorer et faire une meilleure vidéo. Or que si on continue à faire la sourde oreille, ben, je serais pas toujours pas au courant de ce qui posait problème. Ouais, c'est vraiment un détail, mais c'est. Il faut vous dire que c'est parfois les détails qui font que le. Qu'une vidéo puisse être meilleure derrière. Si on ne dit rien, si on regarde tout. C'est parfois des petits détails, par exemple. Ce qui peut vous déranger, c'est par exemple, je vais prendre un exemple tout con. À un moment d'une vidéo, je fais quelque chose. Par exemple, j'expose de rien en plein milieu d'une vidéo. Pour une raison qui est totalement autre que la vidéo. Ben, soit vous me dites quelque chose et là, je ferai vraiment attention par la suite. Bon, je fais déjà attention à ça, mais. En étant absurde, je marche par absurde là. Si vous me signalez, je ferai attention par la suite pour pas le refaire. C'est un petit détail, mais voilà. Par exemple, un autre détail. J'ai par exemple mon micro qui a bugué pendant 10 secondes. Signalez-le-moi et je corrigerai ça. Je regarderai d'où est venu le problème. Je referai probablement une vidéo. Surtout si ça coupe un peu mieux d'un. Que j'étais en train de parler. Mais la dialogue. Voilà. Sachez que les questions les plus bêtes sont parfois les meilleures. N'hésitez pas à y poser, même si vous trouvez qu'elles sont débiles. Sachez également que les remarques les plus bêtes sont aussi les meilleures.
Donc c'est pour ça que je vous... J'insiste énormément dessus, je sais que j'insiste peut-être beaucoup trop dessus, mais je préfère y insister beaucoup là, parce que beaucoup de personnes l'oublient tout ça. Certains d'entre vous ont oublié que nos vidéos, on le fait déjà pour vous, pas pour nous, mais pour vous. C'est un plaisir pour nous de le faire. Deuxièmement, en plus de le faire pour vous, les vidéos, si vous nous dites pas qu'est-ce qui va pas, on peut pas s'améliorer. Et quand je vois des youtubeurs tonner d'autres youtubeurs, pour moi c'est pas ça. Ou des viewers tonner un youtubeur parce qu'il rentre en. Il rentre en. Comment on dit? En concurrence, ouais, je cherchais moi. C'est parce que ça devient un concurrent de l'autre. C'est pas ça. Si quelque chose ne vous l'appréciez pas, vous me le dites et j'en prendrai compte. Par contre, vous faites quelque chose, vous... par exemple. Ça, je vous dis rien tout de suite. On m'insulte dans le chat, dans un commentaire, je supprime tout de suite et je banne la personne. Ça, je pense que c'est logique. Non pas parce que je veux pas laisser la personne s'exprimer, loin de là. Simplement parce qu'il y a un respect à avoir. Il faut comprendre ça derrière. Je respecte n'importe qui, quelle que soit sa question. Bon, excepté les questions par exemple, comment on installe un jeu, comment on obtient un jeu. C'est des questions que j'ai envie de dire. Comment tu installes un jeu? Bah, tu lances l'installation du jeu et tu l'installes. C'est. Voilà. Il y a des questions par contre qui me reviennent, par exemple, c'est comment installer un mode. Je reviens par rapport justement à Crusader Kings 2, c'est ça que j'avais fait. C'était. On m'avait dit. Ah, mais comment. Comment on modifie le drapeau? Ça, c'est une question intéressante. Par contre, il y a une autre question qu'on m'a posée. Ah, où on peut obtenir Crusader Kings 2? Quand on me pose une question comme ça, je vais répondre très clairement. Vous tapez sur Google, vous trouverez tout de suite où vous pouvez acheter. Ça sera plein de jeux comme ça. Vous pouvez notamment vous trouver sur Steam, la grande majorité des jeux, ou sur Origin pour les jeux A, ou sur Uplay pour les jeux d'Ubisoft. Ou vous trouvez, si les jeux sont en boîte, vous trouvez sur la Fnac par exemple. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, il y a toujours un petit coup de gueule dans les vidéos de remerciement parce que on peut pas demander à quelqu'un de comment s'installer quelque chose si on fait pas recherche à côté. Je suis pas la FAQ du jeu, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux commentaires, par contre je peux pas. S'il y a un bug sur un jeu, c'est pas ma faute. J'y peux rien si le jeu il bug chez vous. Chez moi il marche donc j'y peux rien. Si vous avez un problème, faut contacter le support technique derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Autant un coup de temps en temps, par exemple, si c'est l'installation d'un mode. Et en plus, faire des vidéos sur des modes, c'est très rare de ma part et ça m'étonnerait que j'en fasse. Bon, c'est différent. Je dirais une fois comment expliquer, mais plus souvent, quand on installe quelque chose, moi je me débrouille pour trouver l'installation. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai trouvé, comment l'installer, si ça marchait chez moi. Si je jouerais avec un mode. Voilà, faut juste comprendre ça. Donc bon, je vois pas ce qu'il y a à rajouter de plus dans cette vidéo, j'ai à peu près tout dit. Je pense que vous compreniez bien que ça fait toujours chaud au cœur de savoir que son travail fait plaisir aux gens. J'espère qu'on continuera longtemps ensemble. Ce qui me fait le plus peur dans les années à venir, c'est qu'en fait les personnes. C'est que ça s'arrête. Je vais pas vous mentir, c'est. J'ai pas envie que ça s'arrête, ça. Pour moi, c'est un rêve. Je vais pas vous mentir, si je pourrais vivre ma passion, je vais dire oui tout de suite. Je signe tout de suite. Si j'ai un contrat, si on me propose un CDI dans l'univers du jeu vidéo, notamment que ça soit de streaming vidéo, que ça soit réaliser plein de vidéos différentes, Soyuz et guides, tout ça, je dis oui et je signe tout de suite. Donc, voilà. J'ai cette chance que vous regardez mes vidéos, je peux associer travail, enfin mes études, pour être précis, et ma passion. Professionnellement, s'il y a une débouchée derrière, je serai très honoré. Que ce soit chez, si par exemple c'est chez Millennium, bah, je serai encore plus honoré, parce que c'est vraiment ce que je voulais à base. Hein. Pour l'instant, je suis bénévole chez eux, mais peut-être qu'un jour, ça ira plus loin. Ça fera chaud au cœur, je vais pas vous mentir. Justement, je vais revenir sur un point.
Mon compte Facebook a été créé mais n'a pas été activé pour la simple bonne raison que pour l'instant je sais pas quoi mettre dessus. Voilà. À base, je m'étais dit bon, on va créer un pour ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez des informations liées à ma chaîne, etc. Ça sera sympathique. Je veux dire, c'est une bonne idée derrière. Le problème, c'est que je sais pas quoi mettre dessus, à part vous dire ah, je vais mettre une nouvelle vidéo ou ce qui est prévu. Voilà. Par contre, c'est peut-être que je revienne sur mes décisions. Si on me met par exemple dans cette vidéo plein de commentaires, me dit ah, ce serait bien, il y aurait une meilleure interaction avec toi. Dans ce cas, je dirais oui. Il n'y a aucun souci, j'activerai sans aucun souci mon compte Facebook. Je mettrai en lien de description si je referai une autre vidéo pour dire que ça s'est créé. Et là je serai beaucoup. Par contre, ça sera beaucoup plus interactif, vous pourrez me poser plus de questions, j'aurai plus le temps d'y répondre. Parce que ça sera un Facebook sans focaliser sur. Notamment sur ça. Bon. On voit. Et je compte créer, je pense, en fin d'année, je créerai peut-être un compte Twitch pour faire du streaming, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo spéciale, parce que je vais pas quand même vous dévoiler tous les projets que j'ai. Je voudrais vous remercier encore une fois, ça fait chaud au cœur de voir que son travail est récompensé et que vous l'appréciez. Je vous dis à une prochaine fois, en espérant qu'on puisse continuer longtemps ensemble et qu'on puisse longtemps... qu'on puisse pendant encore longtemps... continuer sur la même voie, que vous appréciez mes vidéos et que moi je puisse continuer à vous fournir des vidéos de qualité et qui vous conviennent. Comme toujours, n'hésitez pas à faire quelconque remarque, je suis toujours preneur. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.